dans une publication Instagram poignante datant de ce mardi 6 février, le palais princier de Monaco a partagé une nouvelle déchirante. Le prince Albert de Monaco a ému les cœurs en rendant hommage à un être cher disparu. Le royaume de l'exploration est plongé dans le deuil depuis le lundi 5 février, date à laquelle le maître du Grand Nord, Jean Mallory, a expiré à l'âge vénérable de 101 ans dans son domicile de Dieppe, en Seine-Maritime. Cette perte poignante a profondément touché de nombreuses personnalités publiques, en tête desquelles se trouve le prince Albert de Monaco. Sur Instagram, ce mardi 6 février, le palais princier a partagé une histoire émouvante, dévoilant ainsi l'hommage sincère de Son Altesse à l'écrivain. Le prince Albert II de Monaco rend hommage à la mémoire de Jean Mallory. Grand explorateur, ethnographe et géographe, Jean Mallory a consacré sa vie à l'étude passionnée et rigoureuse des régions polaires, a écrit le palais en légende d'une photo touchante des deux hommes, se tenant debout côte à côte. Un dernier adieu empreint de sincères condoléances à la famille et aux proches de l'illustre explorateur. Il convient de rappeler que le prince Albert de Monaco et Jean Mallory entretenaient une amitié profonde au fil des années. En décembre 2022, à l'occasion du centenaire de l'explorateur, le père de Jacques et de Gabriella lui avaient rendu une visite chaleureuse à son domicile. Les deux hommes avaient alors partagé des moments de discussion approfondis, échangeant ensuite des présents significatifs. Le prince de Monaco avait eu le privilège d'obtenir une dédicace pour le dernier ouvrage de l'explorateur, intitulé « De la pierre à l'âme », où Jean Mallory explorait la vie des Inuits au Groenland. Une rencontre empreinte de complicité et d'échanges enrichissants. L'amitié entre le prince Albert de Monaco et Jean Mallory a pris racine il y a près de 20 ans, comme l'a révélé l'explorateur lors d'une interview en 2009. Le déclic s'est produit au lendemain du décès du prince régnier en 2005, lorsque le prince Albert de Monaco a contacté Jean Mallory, exprimant un vif intérêt pour son travail et manifestant le désir de le rencontrer. Jean Mallory avait alors partagé que lui et le compagnon de la princesse Charlène avaient de nombreux points communs. Il faut savoir que le prince Albert a fait des études d'anthropologie et d'écologie, et il est très attaché aux questions de l'environnement. Il souhaite œuvrer pour cette cause et laisser des traces dans la tradition d'Albert Ier, qui était chef d'expédition et qu'il admirait, avait souligné Jean Mallory. Les deux hommes se sont finalement rencontrés à Paris avant de partir ensemble pour une expédition au Groenland, scellant ainsi le début d'une amitié profonde et basée sur des valeurs communes. Ainsi, en attendant vous revoir dans nos prochaines vidéos pour plus d'informations sur la famille princière de Monaco, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci une fois de plus et comme toujours, portez-vous bien.